Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Une caravane à travers la ville de Ouidah pour annoncer les couleurs de la 16e édition du festival Kaleta et des Arts à Gouda. C'est l'esplanade du Fort français de Ouidah qui a servi de cadre ce vendredi 20 décembre 2019 au lancement officiel de ce festival. À Ouidah cohabitaient portugais, français, danois, hollandais, sans heurte. À Ouidah, quand la culture s'exprime, elle se gèle. Parce que la terre de Ouidah est la terre des grandes rencontres. Et nous sommes les descendants de cette terre. Et nous avons l'obligation morale, en tant que jeunes de la cité de Ouidah, de faire rayonner notre Ouidah. Nous allons faire ce qui dépend de nous sans attendre les autres parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'ils viendront faire ce qui dépend d'eux. Alors, commençons. Et depuis 16 ans, bientôt, nous avons lancé ce projet pour donner vie et valeur au patrimoine à Gouda. Avant de mettre un thème à ses propos, Wilfried de Rondier, le délégué général de ce festival, a surpris toute l'assistance à travers cette annonce. Il n'aura plus une édition suivante pour Festival Kaleta. Ça va vous étonner, je vois déjà sur vos regards. Mais il faut que quelque chose finisse pour que d'autres puissent commencer. Nous sommes là, nous avons tenu 16 ans. Il est temps d'arrêter, de regarder autre chose, d'aller faire autre chose avec mon équipe, les hommes de la presse, vous qui m'avez accompagné pendant 16 éditions. Je vous dis merci. Ouidah a besoin de grands événements. Et Fraternité Ouidah, dont je suis la présidente, et moi-même, allons nous investir afin de faire de notre ville la terre des événements inédits. Ne perdons pas de vue que c'est autour des grands événements comme celui-ci que l'économie locale est renforcée. Pourtant, la notoriété du festival Kaleta et des Arts à Gouda a transcendé les frontières nationales. J'ai entendu dans les propos du délégué général qui veut arrêter cet événement. Pourquoi serions-nous venus si nombreux si c'est pour entendre l'annonce de la dernière édition? Nous sommes venus parce que nous voulons qu'il y ait une 17e, une 18e, une 19e, et etc., etc. Prévue pour durer 3 jours, la journée du dimanche 22 décembre 2019 sera marquée par la visite des sites touristiques de Ouidah, des spectacles des groupes bourriens de Ouidah, un défilé de mode dénommé Ouidah Fashion et la grande finale du concours Kaleta.